Everybody thinks we're on the mother. Who are they to judge us? Mother, mother, simply calls me. Being like seeing a psychologist or anything like that is kind of taboo. Like, we don't talk about this. Yeah. But I think it's like kind of issue because it's not bad to see a psychologist if you need one. It's yeah. like good for you to help you actually. J'ai mon père qui a eu la dépression, voilà. D'accord. Donc ça c'est ouais, c'est une maladie mentale peut-être, enfin je sais pas. J'y connais rien. Okay. Et il s'est fait aider là. Oui, mais bon ça a mal fini, mais voilà. Most people who die under the age of 35 is by suicide. C'est un sujet, comment dire, top secret. La maladie mentale est, je pense, compliquée déjà à définir. Par exemple, on parle de spectre autistique, qui est quelque chose de très large, et on sent qu'il y a des difficultés. Et puis, il peut y avoir aussi des difficultés personnelles passagères qui ne tiennent peut-être pas de la maladie mentale. Et je pense que c'est ça qui est très compliqué. I try to just be there and try to act normal. Les médicaments, c'est vrai, ça aide, mais ça aide pas tout seul. Moi, j'ai ma copine qui a ce genre de truc aussi. Oui, bah voilà, justement, on reprend les activités. Le fait de trouver un équilibre, et bah ça la fait se sentir mieux. Et dans tout, du coup, les niveaux, le niveau émotionnel, physique aussi, elle se sent mieux physiquement. Tu vois, c'est un... Enfin, moi, j'essaye de l'aider un peu dans à trouver un équilibre, sans justement aller chercher... Parce qu'il y a un médecin qui lui dit, bah, faut prendre des antidépresseurs, et du coup, elle prend ses trucs, et puis en fait... Elle reste dans cette inactivité, on lui dit pas essayez de vous intéresser assis à ça, non, bah toi t'es prof d'espagnol donc t'as tel statut, tu peux pas vraiment t'en libérer et puis du coup ça cogite, ça devient inactif et du coup ça prend des médicaments au lieu de... Enfin, moi je te dis après si je te donne mon avis.